Le meeting sont mis ici. Jambé. Voilà, les amis internautes, ces gens qui ont regardé là. Et les policiers Udmo eux-mêmes, ils ont mis les pieds à terre. Les policiers Udmo ont mis les pieds à terre pour faire évacuer tout espace là, nous sommes capables de regarder. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de côté pour y aller là, ou même qui viennent. Là, nous avons déplacé là, voilà. Tout le monde qui était sous place là, et les amis internautes, la police eux-mêmes, ils sont capables de regarder. Les policiers Udmo eux-mêmes, mettez les pieds au dehors là. Voilà. Je fais évacuer place là. Situation lui-même qui est vraiment compliquée. Ni du sort, madame, monsieur, c'est que de 1er avril jusqu'à hier, 2 avril là, au lieu de l'hôpital là, lui-même lui relouvri pour continuer by service, c'est Negak Zamio qui prend l'hôpital là d'assaut, qui décide établi quartier général Lyo la dalle et qui utilisait le comme espace n'a cité stratégique pour bataille avec la police puisque n'a yo gagné possibilité si on prend contrôle tout environ et eh bien pour le plus facile pour yo avancer sous des bâtiments stratégiques qui dans air du chef de masse là notamment le palais national. Donc si malheur et malheureuse, qui te kon gagne un problème santé, qui te kon blessé soit par balle ou bien par n'importe qui ça, qui te kon gagne malaise généralement quelconque, qui pas de moyen pour te aller non centre hospitalier privé, eh bien, je dis à Jean-Mackinson Remisso deal dans rubrique par là, faut un monde mettre genou à terre pour pas tomber malade, pour pas blesser pendant moment ou là. Et même dans l'hôpital privé aujourd'hui, par rapport avec ça qui là comme situation, un ensemble de matériel, un ensemble d'intrants, un ensemble de l'autre élément important de matière, je ne sais pas vers où non, l'hôpital qui en manque, guerrier du seul. Donc, question d'oxygène. Donc, ça qui arrive au gain comme dans mon, ou aller à l'hôpital privé, ou pas qu'à joindre soin. Parce que vous même tout, vous pas exempt de ça qui a passé là, en d'avis. Et qu'on y a de cet hospitalier qui baille des services à souhait, eh bien, personnel médical n'a pas souci tout pour protéger la tête. Yo, yo pas le travail à souhait encore. Donc, si vous quittez malheur, arrivez dans un moment là, ou un problème à souhait, pour penser que c'est dans l'hôpital privé, ou pour aller au jeune soin, si dans le temps passé, c'est un problème qui vous pose, eh bien, je dis à vous qu'il y a un problème, mais l'hôpital n'a pas en mesure pour le bon soin que vous nécessitez. Voilà la situation, madame, monsieur. Parlant de l'école, plusieurs écoles boulées dans le cadre de ce qui a passé là. Institution Mix Fréno, boulée rapiété. Gagné petit séminaire Saint-Martial. Il y a un pigou et puis ancien établissement scolaire en d'un pays. Négaxam prend l'assaut. Il fait gros dégâts, boulée gros bibliothèque là-dedans. Il y a plusieurs autres écoles encore qui sont victimes. Et pour nos universités, ou bien nos facultés de l'Université d'État d'Haïti, n'en parlons pas. Nous songeons ce qui passé au niveau de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire dans Damien. Vous rentrez dans l'espace là, vous battez les gens, vous crasez, vous brisez, vous prenez le laptop. Yo prend bureau, yo prend paquet de matériel sensible, yo prend machine, yo boule plusieurs parties dans l'espace faculté. Nous tendez ça qui passe dans l'École nationale des arts, ENAT. Faculté des sciences qui dans rue Joseph Janvier, dans angle Joseph Janvier et rue Monseigneur Guillou. Un bel bâtiment yo reconstruit puisque premier sac te gagné était tombé dans tremblement de terre 12 janvier. Et bien, vous rentrez là-dedans, c'est ça, oublié, vous pas fait. Il y a plusieurs autres universités ou bien autres facultés dans l'université d'État qui sont victimes. Qui vient faire qui ça? Jodi à là, l'école ferme porte en dans la région métropolitaine de Bordeaux-Brest. Qui vient faire qui ça? Un étudiant qui était en pleine formation universitaire. Ou pas qu'à
prend chemin université a un gen la troublay, deux université ou vin cible bandi yo, l'école yo vin cible bandi yo. Donc du coup bagay yo les formations a nous tout mettez le sous pause, bagay yo les éducation a nous tout mettez le sous pause. Et paradoxalement yo fait tout temps dit nous que l'éducation c'est la clé du développement, donc nous tout font choix nous-mêmes pour ne pas développer. Ça c'est la situation. Aéroport international ou bien malgré tout ce cas reproché, puis gros aéroport pays a li fermé guerrier depuis attaque nan gagzam yo le 30 février le 1er mars 29 février 1er mars depuis attaque bandi yo. Tout compagnie aérienne yo gagne compagnie assurance yo qui mette yo non situation pour yo réfléchir 10,000 fois avant yo effectuer un vol sur Haïti. Parce que compagnie assurance yo dit n'importe avion qui prend décision venir en Haïti ça crive au c'est pas yo même yo pas couvrir rien. Et du coup tout les aériens yo guerrier décidé retirer Haïti dans les cieux. Donc aéroport international la fermé. S'ouvre quitter pays là si c'est pas risque ou prend pour al cap haïtien comme son rail son ligne aérienne locale qui peut-être les mêmes prend risque d'y aller, on pas besoin aucun autre vol encore pour aller dans des pays étrangers. Donc là il y a une situation côté aéroport fermé. Port fermé, c'est-à-dire bateau pas rentré, donc pas gain échange entre pays ou là avec l'autre pays, et n'a pas là d'un pays qui dépend à plus de 60 70 80% de l'étranger. Donc pas gain importation qui fait et produit de première nécessité moins avoir avec nous capteurs de là dans pays observio, c'est des bagages qui sortent de l'étranger. Donc ou imaginez qui ça capable gagner comme conséquence. Parce que il y a des attaques qui fait sous port, il y a des attaques qui fait sous aéroport, il y a des côtés qui été stocké une série de conteneurs, il y a un bandit qui a le prend yo qui vient faire que bon ensemble de produits jodi à là soit pas gagner du tout ou bien gagner en quantité réduite. Il y a un stock limité. Automatiquement produit ça yo pas gagner ou bien minimum ça gagner yo. Guerrier, yo mettez sur marché là, qui ça vient passer? Prix yo vin augmenter, doubler, tripler, quadrupler, pas qu'on est. Prix yo augmenter de manière exponentielle. Donc un pays qui était déjà en proie à une situation socio-économique difficile, un pays côté majorité monde qui là dans le pas travail, un pays côté grande majorité était déjà dans la misère, donc jodi a qui vient faire face à la situation ça, ou ka imagine. Non. Qui sa réalité nous carrière comme peuple guerrier. Mm-hmm. C'est de ça n'a parlé. Yeah. On a parlé du récapitulatif pendant cette période de 2 mois et 5 jours. Pas aucune opération de vol en Haïti avec l'autre pays, bien entendu sous Port-au-Prince. Pas gagné bateau qui rentre, pas gagné opération portuaire sin carrière comme ça. Je dis à un seul verbe. N'a conjugué mettez avec deux autres verbes. C'est incendier et puis ajouter sous ça c'est piller. Et puis mourir. Pas un jour passé pour pas attendre, bon côté vous mettez du feu dans le pays. Bon, là, je dis pays, je parle de région métropolitaine, je parle de Port-au-Prince. Pas un côté passé pour pas attendre, il y a pillé un magasin, il y a pillé une entreprise, il y a pillé une institution. Pas un jour, vous pas attendre, il y a 2 cadavres là, il y a 3 cadavres là, il y a 5 cadavres là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la situation. Et ça n'est là comme situation guerrier, li vin aggravé ça que t'es getan gagné même avant la date du 29 février. Li vin aggravé ça n'a plein pendant les 31 32 33 mois de gouvernance de l'équipe d'Ariel Henry. Li vin aggravé ça n'était gain comme héritage de l'équipe nèg ak femme tête sans cheveux. Li vin aggravé ça n'était gagné comme héritage de pouvoir passer avant yo que le Lavalas ou autre. Et ça fait à l'heure, je te dis, je comment on peut qualifier ça. Je comment on peut joindre ni nom ni adjectif pour mettre des samiens là comme situation. Et ça, nous sommes décrits là,
li pas sans conséquence sur la vie de chaque grain monde qui vivent dans le pays. Et même les gens qui l'ont dans autour sont affectés. Parce que la misère la vie augmente, guerrier. Question grand gounde qu'on a posé comme problème dans la vie augmente. Vulnérabilité mounio vient augmenter. Mounio vient plus dans la crasse, plus dans la promiscuité. Parce que des gens qui quittent Kayo guerrier, qui étaient à l'aise, Kayo dormi dans un petit bout de chambre, qui ont 20-30 personnes avec cette situation. Il y a des gens qui sont dans l'autre quartier, qui probablement sont trop exposés, qui recevront des gens là, Kayo, qui n'ont pas même une chance pour bouger. Ils ne vont pas vivre bien. Du coup, c'est promiscuité totale. Et si vous regardez les derniers chiffres officiels communiqués par. Que ce soit des organisations au niveau national, que ce soit des organisations internationales ou bien des agences onusiennes, on prend compte que bagarre la grave. Et même là encore, chiffres, c'est des chiffres qui pas forcément reflété réalité. Hein. Réalité. Hein. Mm-hmm. Par exemple, on regarde l'ONU qui parlait de situation cataclysmique en guerrier. L'Elzou, de janvier 2024 pour arriver là, dans Masta là, c'est plus que 1500 personnes qui mourent dans zone ça seulement. Il y a des gens qui disent carrément l'ONU par contre. Et mon yon boule yo. Ma kon sou kopè. Et mon yon boule yo. Et mon ki disparaît yo pa wè yo. Donc ça c'est peut-être des cadavres qui yon signalé, yon ge chasse répertorié. Matin wop bali nan nouvel guerrier. OIM zou konsake. Pendant ti période 1 mois 5 jours ça là, yon plus que 50 000 moun ki yon oblige kouri kite. Quand on prend cette zone qui sous côté lieu pour y aller dans le sud du pays. Or, avant ça, il y a 116 000 personnes qui déplacé. Et ils ont pas pris direction Grand Nord. C'est par rapport à la difficulté qui gagne pour accéder à un série d'axes routiers dans le niveau Grand Nord. Donc tout le monde a gonflé dans le sud. Et le sud, ça n'a pas lié à guerrier du seul. Tu es déjà à faire face à une situation extrêmement difficile. Depuis le Matissan, tu as un problème. Tu viens ajouter sous Marianne, etc. Qui vient faire que dans le sud là, moun yo se débat, yo tap débat, bon paquet de produits, malgré pot ko gen sa yo nan Port-au-Prince, pendant période 1 mois 5 jours sa yo, qui te gen tan pas disponible, qui te gen tan tête nèg lòt bois, qui te vin faire que kou la via, te atteint au niveau sans pareil. Donc là, tout moun sa yo déplacé à l'gonfle dans le sud, donc ou kapab imagine nou nan ki niveau misère kapab ye. Par contre, sou konprann yè. Et que c'est PAM, Programme Alimentaire Mondial, que c'est FAO, qui c'est organisation agriculture basée manger alimentaire etc. Sous quel chiffre vous communiquez sur question insécurité alimentaire là que c'est CNSA tout qui c'est coordination nationale de la sécurité alimentaire qui est instance par ici dans le pays pas non. On parle de plus de 5 millions d'haïtiens qui en insécurité alimentaire. Nous expliquer ça plusieurs fois aujourd'hui là. Avant même date 29 février avant même période 29 février pour arriver ça là tu étais gagné 4.5 millions jusqu'à 5 000 personnes qui n'ont pas à manger. Mais ça veut dire que les gens qui ont insécurité alimentaire. C'est des gens, un, qui mangent guerrier une fois par fois. Et manger ou manger pas forcément de manger de qualité. Comme si capable de nourrir ou capable de gagner en bonne santé. Et bien, dans le chiffre, ça guerrier, il y a plus de 1.5 million qui ont une situation d'urgence. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'organisation qui a une compétence pour ça. Que ce soit en Haïti ou bien l'autre bord de l'eau. On a dit qu'il y a une situation d'urgence, guerrier. Situation d'urgence, vous l'avez dit, c'est des gens qui ont passé n'importe 2-3 jours sans manger. Ça veut dire que c'est des gens qui risquent de tomber, mourir grand goût. Et ça fait l'organisation parler de possibilité pour Haïti faire face à une famine sans pareil. Non, futur, pas trop lointain. C'est de ça qu'on a parlé, je dis. L'on voulait parler d'une situation innommable et inqualifiable. De 29 février jusqu'à 3 avril, on a parlé là, guerrier. Donc, qu'on y a là. Que on moun nou te dim ou pour le conseil présidentiel guerrier. Que on moun nou te dim comme ça ou pour la cour de cassation. Que on moun nou te dim comme ça ou pour conseil Guy Philippe là dans tête pays à bouger période intérimaire là. Ça pas dit rien non si au moins tout ça yo moins saute essayer expliquer là. Et gen moun ki te ka ajouter beaucoup plus toujours si ou pas fait partie de priorité ou bien si ou pas préoccupé ou. Et ça que fait me dire au départ, on ouais sin ka mettre tout ça n'gain comme appartenance politique, tout ça n'gain comme divergence, tout ça n'gain comme désaccord, tout ça n'gain comme différence de côté. On garde bagala avec un yeux de citoyen. On garde là avec un jeu haïtien.
on j'ai moun comme si pour tout ça yo vinn sous table là et puis ban nous ça n'gen comme tableau jodi a dans pays a pour moun ou ta dim ou insensible à ça yo et puis me décider metto dans même panier avec nèg exam yo avec nèg coalition vivre ensemble pour penser c'est méchant méchant ou bien c'est frapper trop fort. Et le pire dans tout ça, ou bien ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ou pas bon moun nou ka responsabiliser, ou pas bon moun nou ka longer droit sous li, ou pas bon moun nou ka râler les oreilles jodi a pour dire comme ça que mais ça gagne comme problème là et c'est eux même qui gagne devoir pour porter solution en tinting yo pour faire assumer responsabilité pas gagne jodi a. Parce que me poser question en semaine dernière ou tu essayer poser la même guerre qui est-ce qui a dirigé pays a pas grand monde qui connaît est-ce que si c'est Ariel Henry si c'est Patrick Michel Boisvert ou bien Michel Patrick Boisvert c'est dans radio dans la presse nous connaît Michel Patrick Boisvert lui-même lui c'est un premier ministre AI nous va entendre rien le fait bon est-ce qu'il a pouvoir ça tout marronner nous va entendre rien le prend comme engagement aucune déclaration sinon renouveler couvre-feu de temps en temps. Tout directeur général, tout ministre, peut parler, yo tout marron. Parce que les gars qui ont cherché au cocher fou, yo nan caché. Pendant à bouler, pendant à bracher, ministère qui concerné, yo senti que yo ta fait route servicole, yo ta sorti des notes, vous comprenez? Yo ta annoncé des bagailles. Pas grand rien qui fait. Un pour ministère, tant que ministère de la justice et de la sécurité publique, je dis. Qui très concerné par rapport à ça qui arrive là. Au ministère, tant qu'au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est vrai, c'est Ariel qui a il la donne, mais quand même, il était mis ton chef cabinet pour gérer tout le bagage. Et pendant le parti à là, il baille au ministre gérer de manière intérimaire. Dès qu'après l'autre ministère, encore tant qu'au ministère des Affaires sociales. Mais tout ministre, ça au bébé. Et c'est l'alpidia ou pas connaît à qui est-ce pour adresser, qui est-ce pour faire debris sous tête, qui est-ce pour critiquer, qui est-ce pour aller aux oreilles. Et ça fait où est. Il y a des gens qui disent au pays à tout carrément sous pilotage automatique. C'est nous qui menons tête, nous menons tête, nous côté nous voulons. Nous fouillons tête, nous dans tout nous voulons. C'est ça où il y a l'anarchie totale là. Pas de personne qui connaît qui est ce qui fait qui ça. Il y a deux ministres qui entrent dans le pays là, 104 millions entrent. Ministres qui étaient bloqués aux États-Unis. Qui était passé par Saint-Domingue. Ce n'est pas dans le vol sonnage où ils sont entrés là. Ça fait étranger ce genre avec. 104 millions entrent. Il y a des gens qui parlent de blindé, il y a des gens qui parlent d'hélicoptère. Bah, on est, mais ils rentrent en 4 minutes quand même. Ils sont au cap pour rentrer pour le faire ça. Et puis, ils sont rentrés dans tout. C'est-à-dire, ni venir, ni rester à pas changer aucune situation. Donc, quand il y a là, pour moi, on a expliqué que je dis, c'est le problème qui est-ce qui pour gérer le pays de terrimer là qui pour poser. Moi, pour moi, c'est le faux problème. Le problème qui pour poser, c'est comment on a pas entendu nous, pour nous au moins retirer le pays dans la situation ça. C'est le problème ça qui doit poser. C'est problème ça qui nous pose. On pas besoin connait si on va supporter Guy Philippe. Ça pas garder si on va supporter le conseil présidentiel de la transition que me toujours ajouter carré comme d'elle là. Ça pas intéresser que on même va supporter cassation. Mais on garder dans tout ça on va supporter yo côté pays haïti là-dedans. Voyons. Jodi a n'a pas parlé de conseil présidentiel. Nous t'expliquer pour qui ça n'a pas parlé de conseil là comme ça. C'est parce que c'est lui-même nous voulait. Ou bien, contrairement à ça, moi, mon yo pensé sur Internet là, comme si on va en faire promotion ou bien si on va nous attacher avec elle. Jamais! D'ailleurs, personnellement, tout le monde qui parle avec moi, je me positionne déjà sur comment tu as doué gérer la période intérimaire là. Mais par contre, qu'on voulait ou pas, c'est le CP qui est sur la table. Oui. Nous t'ai dit ça déjà, il y en a voulu dire encore. C'est le CP qui est sur la table. Donc, du moment que vous passez par le CPA, vous passez à autre chose, n'a pas parlé de autre chose là. Si demain matin, c'est la Cour de cassation qui vient sous table là, n'a pas d'information, n'a fait des analyses, n'a fait des commentaires sur la Cour de cassation. Si demain matin tout c'est pas la Cour de cassation, c'est conseil Guy Philippe là tout qui sous table là, n'a pas parlé de lui, n'a pas d'information sur lui. Mais je dis à c'est le conseil présidentiel qui est en vue, c'est lui-même qui est en gestation, c'est lui-même qui sous route pour ta abouti, n'a pas parlé de lui. Donc si on a raison qui fait moi-même, je dis à
moi pense que faut ta questionner acteur sa yo qui dans processus ba CPA, que ce soit moun qui constitue yo, que ce soit moun qui dans gouvernement démissionnaire là qui gon rôle yo doit jouer pour capable permettre que processus CPA lui même l'abouti. Si avec qu'est-ce que vous avez? Il y a des informations qui viennent joindre moi sous comportement des ministres qui sont dans le gouvernement. Ça qui passe. Je te dis ça là déjà, il y a des gens qui pensent que c'est vous qui m'avez voulu monter. Moi, je te dis que malgré toutes sortes de nous décrits là comme réalité, il y a des nègres, des femmes dans le gouvernement démissionnaire la guerrier qui voulaient rester dans le pouvoir toujours. Oui. Qui voulaient rester dans l'État toujours. Oui. Tellement tu as des résultats. Et c'est ça, on me parle de méchanceté. C'est ça, on me parle de criminel au même titre, au même niveau que monsieur vivant Samyori. On te prend gouvernement dans un moment très très au sérieux. Là, on te dit, bon, il y a presque au cabaret, là, on forme parce que il y a une provision légale, etc. A fait pareil, oui, n'est-ce pas, les guerriers? A fait pareil, il y a réglé. En font une logique très simple. Information que vient de moi là, nèg yo di yo soumet projet décret à un ensemble de juristes. Pour qu'ils aient pas communiquer juriste ça d'après vous. C'est l'état qui prend décision. L'état dit bon, mais ça le mettait sous place, mais qui est-ce qui l'a donné là vrai? C'est mon bail qui a fait la bataille. Pour qu'ils aient pas dit qui juriste qui a analysé décret à. Yo simplement du juriste, mais une information que vient de moi là, c'est que majorité juriste nèg yo soumet bail là bayo, c'est juriste qui pas forcément dans bail CPA même dans la dent. C'est des juristes qui croient que je dis à c'est le plus proche de la Constitution, c'est la Cour de cassation. Par contre, vous comprenez. Donc, en la gang, il y a un jugement fait. Donc, ça va poser un problème. Deuxièmement, il y a des ministres carrément qui posent des conditions pour participer dans le conseil, pour mettre des signatures en bas de documents. Je te dis ça là, oui. Je ne sais pas de quoi c'est hier, je vais parler internet là, je vais parler de ça. L'autre, je parle de ça, même si je dis ça là, oui. Il y a un ensemble de ministres carrément qui disent et ce soit au ministre ou bien au jeune des jobs à l'étranger, oui. Il dit vrai, oui. Il dit vrai. Donc on y a là pour m'a parler de criminels, pour m'a parler de nèg qui mettait pays à un niveau là, des femmes qui mettait pays à un niveau là, pour m'a parler de nèg exam pour m'oublier gang avec surtout. Comment on comprend on nèg des ministres pendant 33 mois. Ou pas fait rien pour pays, ou pas aucun résultat. D'aim du bon ministre, moun pa gen doute sur capacité académique, sur compétence. Mais c'est un ministre qui était pis nul sous gouvernement Ariel Henry. Et c'est un ministre qui flérite toujours. Donc ça veut dire que Jodia n'est pas intéressé avec ça qui est là dans le pays. Il est intéressé à pouvoir comment il arrête dans le pouvoir ou bien il vient prendre pouvoir pour continuer à jouer, pour continuer sous ces mamelles là, pour continuer à têter. Bah, on se comprend bien, Jodia. Bah, la bon pour vous. C'est ça, il le fait. Et c'est dommage. Parce que même tout ça, Johnny Ferdinand, yo ta relé m pour jamais moi pays ça gen problème, pour jamais moi gen difficulté, pour ça moi là dans la rue. Gayé ça me sont décrit là, c'est pas sous papier seulement non, ou capable li yo. Soit dans la rue là yo visible parce que moi même dans la rue chaque jour. Yes, yes. Yo visible, misère n'a pas le grand goût n'a pas li à la guerrier Dieu seul. Li visible dans la rue. Moi sous Delma, route moi wè relé autoroute de Delma, point d'interrogation, m'pa konn si l'autoroute ou pas. Ou konnen konn gen des heures de pointe côté gen gros blocus. Gagne jodi a la quel que soit l'heure passé dans journée, gen des côtés passé Delma, c'est chaque 15 20 30 minutes où une machine passe fiou. Tout en courir oui. Gen côté passé pays à tant que son désert, tant que son pays qui en guerre oui guerrier. Ouais. N'en parlons pas pour une série de supermarchés qui jodi a pas de capacité pour approvisionner tête yo. Donc ou ka gen cob dans moal dans market jodi a ou pas ka acheter rien. Et minimum ça gagne yo tête nèg mal fondé respectant pendant weekend nan gagne 15000 gouttes dans poche moi rentre dans supermarché même si moi la chante ti bagage peut-être cap coûter environ 5000 gouttes 10000 gouttes pour me caler comme gagne l'aime ba me porter dans main c'est forcé ou forcé mon cap travail marqué là dit Johnny pour char yo non malgré ça me dit bon gros bout de char yo gagne ba la chante faire yo papa pas ni yo non ti bagage pour pousser au fait chelbert. Mais là, je regarde moi ça m'acheter yo. Ba me dit ka pou ta pa bra moi. Et mes guerriers dans 15000 goud là, à peine sur mettre mon 2000 goud lui. Voilà. Ba ça, ba me ka pou ta pa bra moi comme ça. Tellement ba yo chéri, et gain pas gain du tout. Ouais.
Ou Mackinson Rémy Gonba li habitué dit dans commencement journal là depuis quelques semaines là, li dit comme ça que sous mon petit l'argent, serré le fait économie. Et mes guerriers, dans les jours à venir, du train que ça va. Ou carré comme là, non, on va venir pour acheter. Alors, si elle n'est pas faite. Oui, bien sûr, du train que ça va. Et qu'elle me fait mal pour diaspora, yo. Ou pour passer devant maison transfert pendant que comme ça. Pour elle, Linda, tête là, pour affluence, là, mon gars, bouma, mon. Il y a qui font jour, on est venu dans $50 américains, pas gagné, non? Tellement de monde. L'argent passé au cul, les entreprises fermées, ou pas qu'elle banque qui ferme. Qui fait mon paquet de succursale, etc., qui va fonctionner parce que bandit pillé ou bandit cassé. Quand il y a ces diaspora qui ont un B de temps en temps, qui vont $20, vont $30, vont $50, vont $100. Même là, vous voyez le pour vous, vous faites n'importe 5 jours pour vous prendre. Parce que chaque fois que vous allez dans la ligne, mes autres transferts, c'est la tête chargée, guerrier de ça. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Comme si pour on est gounia ou polariser le pays, soit parler comme ça, ou bien faut approche critique. On est dans le jour où on travaille pour ceci, on travaille pour cela. Et je pense que quand on est arrivé là, on ne peut pas être doué dans la question attachée à la partie politique, avec l'idéologie, avec quoi que ce soit. C'est le pays qui est doué devant chez nous. Pas en question de où c'est Lavalas, où c'est Petite Dessaline, où c'est PHTK, où c'est Montana, où c'est ED, où c'est Red, où c'est Accord 21 décembre, où c'est. Pas vraiment ça que tu as doué là, dans le moment. Où c'est Guy Philippe, où c'est Réveil National, où c'est Vivre Ensemble. Et pas ça que tu as doué là. C'est cette situation critique qui devrait nous interpeller comme citoyens, comme peuple. C'est ça, oui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et à chaque fois, peut-être, nous, elle, comme ça, nous disons qu'on est foutus, nous autres, cette génération. On est foutus. Ouais. Pas rien d'espoir, c'est incertitude sur toute la ligne. Avant, il y a ma parole très, très proche, moi, qui dit l'aller dans le programme Biden, non, contre lui-même. Mais là, il faut expérience en guerrier. Et qu'on y a commencé à railler les cafés politiques dans le pays. Et qu'on y a commencé à railler les élites qui entendent, qui font de Haïti un espace invivable pour petit la courir, quitter par tous les moyens. Il dit, côté il y a son bel pays, il y a plus l'opportunité guerrier. Mais il dit, guerrier, en 20 ans, il y a un avec comme ça, il a pris de dépenser l'énergie avec 100, il y a un il a expliqué qu'il fait plus de 10 heures de temps, campé sous deux pieds. Campé sous deux pieds. À travail, Dieu. Dans le pays, bagaille pas trop rose guerrier, mais il tape défendre tant bien que mal. C'est instabilité, c'est insécurité, c'est mauvais la vie, conditions pas réunies pour planifier la ville là. Projet le bac à mettre sous place chaque fois le faux bagaille, bah là échoué. C'est ça qui fait le pays là. Il a vivre dans condition ça. Et Dieu seul sait combien de monde qui dans la diaspora qui commence à gagner ça contre nos élites politiques, élites économiques, etc. Contre ces politiciens guerriers. Qui fait Haïti tourner sale là, on l'en fait sur toute la ligne. Au fond, j'aime toujours dire ça, guerrier. Parti qui des pays, pas de jambes dans le plan. Il pas de jambes dans l'option, guerrier. Mais quand il y a la map, comme jeune garçon, et peut-être c'est moi qui ai mis quoi qui a parlé là, pour pas qu'être l'autre jeune capitaine de là, pour combien de temps encore nous allons résister? Parce que pays, ça ne sont pas sans honte, pour pas vivre là-dedans. Pays, ça ne sont pas dans mauvais affaires, pour pas vivre là-dedans. Pays ça sous pas soufflant, sous pas sous pas vivre là-dedans. Pays ça sous pas vicieux, pas vivre là-dedans. Pays ça sous respecter tout, pas vivre là-dedans. À moins qu'on fait choix souffrir ou qu'on fait choix pour tout notre bagage au niveau. Pour combien de temps comment peut-on résister pour me dire ma prise de bataille là? C'est peut-être la grande question. Donc, je vais conclure matin pour me dire, ou même qu'à tendre la radio, ou même qu'à garder nous sur les réseaux sociaux. Ou qu'il y a un problème avec Johnny Ferdinand. Ou qu'il ne doit pas aimer forme tête Johnny Ferdinand. Ou qu'il ne doit pas aimer guerrier. Ou qu'il ne doit pas aimer Andiani Oximab Saint-Fleur. Ou qu'il ne doit pas aimer radio-télévision. Ou tu as bien aimé des paroles pour nous répéter pour vous, pour faire plaisir. Ou tu as bien aimé des bagailles pour nous dire, pour qu'il soit content. Ou tu as bien aimé des gens qui nous doivent parler de lui, ou bien nous devons parler de yo. Pour jouer un sourire. Mais attention, pas de rien dit là, dans sa table d'écrit matin, c'est des mensonges. C'est de la pure vérité. Même si vous vivez l'autre bord, ou mon petit frère, ou mon petit soeur, ou mon petit cousine, ou mon ménage, ou mon mari qui est dans le pays. Là. Donc, quand même, sous une forme ou sous une autre, ou victime de ce qui a passé, parce qu'il y a pas mal de vous, vous voyez comme. Si vous êtes malade, vous voyez l'argent pour l'hôpital. Si vous avez un problème, si vous kidnappez, vous faut faire ça. Donc à chaque fois pour prendre un nouvel papa, ou t'as des tensions sur le motel,
parce qu'il y a une balle qui a tiré, parce qu'il y a un vieux caille, les gars n'ont pas attaqué de temps en temps. Donc vous avez intérêt quand même pour ça t'a changé. Et vous avez intérêt tout, je dis à tout, pour inviter, moi nous supporter, pour inviter, moi nous sympathisons, bien sympathisons, on pour une fois mettre intérêt pays à en les toutes bagailles. Au moins même si génération ça foutu, mais on a sauvé génération qui a venu là. Oui, bonjour guerrier de seul. Oui, bonjour Adjani, Oximab Saint-Fleur. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Johnny. Oui, bonjour tout le monde. Puisque tu as mentionné ça dans la mise en contexte là, l'hôpital général, puis gros centre hospitalier paysan, jusqu'à présent, toujours été fermé. Bandi acheté l'argent comptant zone ça, zone côté l'hôpital général Trouvel, qui déconne recevoir en pile patients, surtout si là, qui pas un gros moyen. Civil armée utilisé espace stratégique c'est là qui gagne une institution pour capable troquer connio à force l'audio une situation qui préoccupait syndicat l'hôpital général là gagne présidente syndicat Evelyne Frémont qui fait connait l'hôpital fermé ça déjà la cause l'homme en pile malade qui ont même été abandonné puisque malgré personnel médical pas de camé tes pieds mais gagne patients qui étaient eux-mêmes arrêtés dans espace là en puis l'autre était sorti soit à mourir la caillou ou bien à le chercher quelque dans l'hôpital privé qui était fonctionné pour capable continuer joindre soins. Evelyne Frémont souhaitait gagner une disposition sécuritaire qui prend pour l'hôpital là capable relouvrir une façon pour monde qui pas gagne moyen yo capable river joindre la soin à un côté déclaration de la micro Reginald Rémy. Effectivement, l'hôpital là, ça fait notre tutoiel fermé. C'est pas ni syndicat qui ferme, ni responsable de l'hôpital là qui prend une décision fermée. C'est plutôt cause d'insécurité qui fait le fermé, je ne veux dire. Dans un premier temps, le directeur a fait apparition, surtout dans la maternité, côté qui était grand pile femme en fait, qui t'a souffert en bas pour dire, ouais, qui ça a fait, et bien, monsieur Sylvain Améo, il s'est pointé dans le sourire, mais heureusement qu'il n'est pas connu si c'est le directeur de l'hôpital là, accompagné de l'autre médecin, il cherche sécurité de l'hôpital là. Bon, il n'a pas fait rien, il s'est fait aller. Et ça, c'est cause, maternité n'a pas de carrefour. L'autre tentative fait encore pour l'hôpital là, réouvert, nada. Il fait sortir son premier note daté, côté que. Il te dit l'hôpital là t'a répondre 1er avril en parlant de hier lundi. Dans un premier temps, tout est well, nettement impossible pour l'hôpital là de répondre à l'activité. Effectivement, ça a arrivé fait. L'activité de l'hôpital là pas capable. Ça s'est fait hier l'hôpital là, c'est plutôt monsieur civil là Améo qui a besoin cet bâtiment l'hôpital là et surtout administration côté qui était passé monter en l'air pour faire des tirs avec des policiers soit pour te viser la coupe aller nationale. Sécurité nous qui était en bas. Il n'y a pas de gain, grâce à Dieu, c'est quoi ce nom, c'est quoi ça, c'est caché en bas bureau. Grâce à Dieu, il n'y a pas de gain. Encore, c'est daté fait sortir une note qui était daté 24 mars. Côté qu'elle te dit, il est impossible pour l'hôpital la répondre à l'activité parce qu'elle te fait sortir une première note qui te dit c'était plutôt lundi, 1er avril, mais nettement impossible. Alors, il est là pour jusqu'à nouvel l'autre. Par contre, qui est bon, j'ai appris l'autre pour l'hôpital la répondre, mais jusqu'à présent, l'hôpital l'a fermé. Est-ce que ça n'a pas préoccupé, non? Puisque l'on considère l'hôpital ça, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de moyens qui fréquentent l'hôpital ça et malade qui sont là. Qui ça vous fait et, exactement? Si que vous êtes capable de possibilité d'aller en bas, bon, vous avez évacué, vous avez abandonné, pour dans quelle difficulté vous avez en bas. Pas de monde, vous avez fait franchi. Souvent, vous avez mangé, vous avez malade, vous avez abandonné, vous avez en dedans. Pas de possibilité vraiment vraie pour vous manger, vous avez fait franchi. Vous avez couru avec monde qui n'a pas été couru avec ce homme dans le bras, vous avez cherché côté pour abriter, vous avez fait franchi, vous avez couru. Avec des femmes en tête qui étaient en difficulté, comme si, qui étaient l'autre gros problème. Si moun, en pile de gars, maladie fait en bas, moun yo gen mouri, gen bodja qui a la kayo qui a mouri, gen ma connaissance si bon de sauver la vie yo. Mais sauver ta problème qui était en bas. C'est ça que fait souvent dit, monsieur Civil Amé yo. Moun qui fréquentait l'hôpital général, c'est pour bien moun qui pli mal yo. Moun qui semble avec yo, moun qui lage des bras balan, moun qui vulnérable yo, c'est yon fréquentait l'hôpital général. Alors même là, yo ta font bagay, soit ka bon pou paya, du moins que ka met paya dans ka au plus, pensez avec ça qui revient peuple à des droits pour pas craser. Alors jusqu'à présent, Gatazé, yo pa ni brûlé,
ni crasé parce que c'est mon ancien gars. Je dis c'est une cause, nous pouvons nous situer comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens pour acheter des armes. Ça, au moins, pour nous. Ils ont fait rentrer les amis. Ça, eux, les douanes, ça s'appelle monde qui pose. Sans vous dire, c'est l'État central là. L'État est là. C'est eux-mêmes qui mettent nous là. En fait, on a vu dit tout le monde qui vole, tout n'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui gagnent un petit crasse crédibilité là, Kayo. C'est pour ça qu'on fait là, je dis là. Nous pas besoin aussi. Quelque soit un siècle passé, nous pas besoin encore. Si vraiment, on va dire, si le cap pour bien, quel seul est fini. Gardons un ancien joueur de football aujourd'hui. Il y a une difficulté pour faire l'hôpital pour la vie. Là, l'hôpital privé, il y a moins de 100 dollars. Il n'y a pas rien. Qui compte là, il y a une santé, c'est l'hôpital la paix. Voilà, au tap côté déclaration présidente syndicale d'hôpital général là, Evelyne Frémont. L'autre nouvelle, plaisir compatriote dans la diaspora aux États-Unis, exprimer tête chargée au gain face à la dégradation climat, sociopolitique et sécurité pays. Citoyens haïtiens qui ont remis retourner dans le pays, ont demandé à acteurs politiques de prendre conscience et puis agir vite pour joindre une solution à la crise. En suivant le reportage avec Jean-Georges Blaise. C'est avec un sentiment de tristesse, moral non pas stable non plus dans la diaspora, et à cause des situations du pays d'Haïti, et surtout nous-mêmes dans la diaspora. Le nous aller dans un endroit et soit dans un centre d'achat soit au boulot et, ou bien quelconque malgré compatriotes ça y a vivre dans diaspora haïtien ça y même tout pas à l'aise face avec dégradation climat sociopolitique là pas bon ici c'est avec un pile la peine désespoir yon bonne petite terre qui à l'étranger di a garder situation haïtien yo dit qui pas faire l'honneur dans un côté ça qui passé là continue faire gros bruit dans les médias internationaux. Et malgré des marches CARICOM a causé conseil présidentiel ça, eh bien, solution à la crise politique tête chargée ça, semblait pas pour demain. Alors que, population haïtienne n'a dit pas qu'attendre encore. Et sous bazar, communauté haïtienne la carrière ensemble, qui pas voulu être bouche fermée sous ça, mandé politicien pas bon ici, fait un gens, tant pis souple, pour débloquer situation ça, il dit qu'il a affecté eux. En diaspora. Gen yon urgence jodi an. Gen yon très urgence jodi an. Nous même nan diaspora, nous pensons que pas gen tan encore. Se fon bagay précis pour Haïti. Fè yon bagay maintenant pour Haïti. C'est haïtien kap touye haïtien. C'est brûlé à brûlé. C'est gang à tous les niveaux. Donc nous pensons que c'est décourageant. Diaspora a souffri de ça. Mais y a pas encouragé acteur yo pour yo mettre ensemble pour yo essayer une solution. Astrel Jean-Garry a mené une structure dans la communauté haïtienne nan, qui porte nom voix haïtien qui vive l'autre bord de l'eau. Alors que Ernst Wilson comme ancien député 47e législature c'est à la tête une organisation là-dedans Worldride. Compatriote sa yo qui dit yo envie tourner la caille après raconter comment y a vive situation Haïti dans diaspora. Astrel Jean-Garry. Moral nous pas stable non plus dans diaspora et à cause des situations pays d'Haïti hein? Et surtout nous-mêmes et dans diaspora le nous aller dans un endroit et soit dans un centre d'achat soit au boulot ou bien quelconque et des étrangers toujours poser nous des questions sur Haïti parce que yo vivi majo. Yo ouais des vidéos de soit dans chaîne télévision yo soit dans Fox News dans CNN etc. OK sur internet yo ouais toute bagaille ça yo OK yo ouais c'est moun kap tuer moun kap décapiter moun kap fizer moun yo ouais c'est bagaille vol aussi corruption etc. yo pas c'est bagaille ça yo ouais en Haïti ouais pas ouais faut gen un mot qui dit dans la cour déclaration même compatriote ça yo qui fait qu'on est, yo espéré décider politique yo pral prendre conscience pour aider Haïti nan malaboua. Wow, OK. Haïti c'est première république noire du monde, OK. Côté ancêtres nous, esclaves nous, te goumen pour nous, te bataille pour nous. Je dis à la m'pense que nous-mêmes nous gon cadeau nous ka faire Haïti. Nous gon chance pour nous ba Haïti. Je dis à fèl jodi an lan fèl parce que pas gétan encore. Même Jean le pape Jean-Paul II était entré en Haïti qu'il dit il faut que ça change parce que c'est ça aujourd'hui là pour nous faire pour Haïti aujourd'hui. Nous même au niveau
de diaspora. Nous dit que fok chita fait bon tabla toujours pour nous toutes réunir pour nous joindre aux solutions à pays nous qui souffre trop. Et moi dit nous CARICOM s'y attendait parce que vous parlez créole tout, y attendait m'cap parler créole là. Nous même tout nous gain décision pour nous prendre, nous prenons décision fann camper derrière. Fann camper derrière. Si gagne des moun qui poko entrer nan question collège présidentiel là, eh ben faut que yo chita entendre yo choisi président, choisi premier ministre et puis nous pral faire ouverture à d'autres acteurs dans le gouvernement qui pral créer là. N'a pas entendre nous pour pays là. C'est pas entendre nous pour job. Et c'est pas seulement la caille tonton Sam, compatriote sa yo continue à faire tant de voix dans pays la France tout, c'est même contre elle là. Presque bon côté ressortissant haïtien qui pendant week-end qui s'est passé là, tap foule bété en encadre, yon match pacifique dans ville Paris. Et tout ça pour dire non à l'ingérence communauté internationale là dans la crise haïtienne là et puis tout. Cherche à sensibiliser tout petit terre sur la nécessité pour coller les épaules comme plus bonne stratégie d'après vous pour arriver à atterrir à qui ont la vie meilleure. C'est quoi mouvement international solidaire pour Haïti comme yon situe la caille Emmanuel Macron qui dit ouais par ouais faut que ça change. Que ce soit élite économique, élite politique, élite intellectuelle qui était titré de quoi avez-vous peur qui déparaît dans la date 25 mars 2024. Nous autres, nous débaillons en lecture substantielle de BSA. Comme moi, avec nos matières qui te demandent ça, d'entrée Dieu, qui ça qui te motive et écrit ou bien adressé BSA, j'en dis là à Elitio, et qui ça moun yo doué retenu en substance que tu as considéré comme élément qui motive nous au niveau de Haïti devant pour nous et pour une initiative pareille. Monsieur Ferdinand, avant de vous poser une question, ça, moi, m'a demandé une minute. Une minute pour que je profite de Micro Radio Caraïbe pour m'exprimer des pensées spéciales. Moi, je vais exprimer une pensée spéciale à la famille Moun qui a fait deuil ensemble de Moun dans le pays parce qu'à un certain moment, ils étaient dans la rue et qu'ils ont balle marron brun. Moi, je vais tout exprimer une pensée spéciale pour jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays à Jutia. Qui a commencé en formation universitaire en raison d'instabilité, d'insécurité, que pas qu'à continuer avec formation ça. Parallèlement, si monde tout aujourd'hui, qui contraint un peu avec la caillou, ne pas qu'à jouer de un droit que la Constitution pays a garanti, qui c'est le droit à la formation et à l'éducation. Moi, je suis en pensée spéciale tout, pour des jeunes garçons avec des jeunes femmes, qui trois dernières années, qui contraignent un peu quitter le pays, pour y aller aider. Courage, intelligence, force de travail à un pays étranger, et ceci contre leur volonté. Mais je vais sur mon passé spécial tout, pour des mounes de classe moyenne qui, pendant 20 à 25 ans, connaissent des journées sans soleil, des nuits sans sommeil pour construire ensemble du bagage dans le pays, et en une journée, et peut-être en quelques heures, tout le bagage va disparaître. Et un passé spécial tout pour mounes dans le secteur privé. Qui pendant des années font ensemble d'investissement, et je vous dis là, il y a un investissement sans partir en fumeux, parce que l'entreprise établie sur des zones, je vous dis là, qui sont contrôlées par des mondes que vous déterminez. Et finalement, je pense particulièrement spécial pour l'ensemble de policiers qui tombaient et qui victimes pendant qu'ils ont honoré l'engagement que vous prenez, leur soutien dans l'académie, pour protéger cette population. Et parlant de la police, maintenant son appel national. De support à la police nationale, il n'y a pas de support, mais pas de support moral uniquement. On a parlé tout de gestes assez simples qui sont capables de faire, des actions qui sont capables de poser, qui sont facilité que nous mettons en avant binôme police-population. Et depuis ce que je parlé, si demain matin, on blindait la police en panne, on mécanicien qui a décidé, avec deux heures de temps de travail, pour réparer le bénéfice. Si il y a des policiers blessés sur le champ de bataille, et un médecin qui a mis tête liée à la disposition gratuitement pour bah, soins que le policier ça a nécessité. Donc, on devrait profiter de moment ça pour adresser ensemble de pensées ça pour que tout le monde conscient que je dis, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont pensé à la population haïtienne de manière générale. Le 27 mars, billet qui a été devant adresser à l'élite haïtienne,
n'est pas un billet de constat. Certes, situation, tout le monde connaît qui sa situation est. C'est quoi là? Mais c'est un appel. Un appel pour que l'élite ressaisisse. Ressaisisse parce que, matin, matin, on a mis en contexte monsieur. On va parler de situation de pays qui s'allie, je sais que sa tableau aille. Population, on graine bagaille que la proclamée de l'élite pays depuis quoi 53 ans. C'est pas la capacité pour le vaquer à l'occupation. Permettre que le carreau commence à fonctionner normalement. Parallèlement, au grand ensemble de monde qui est clamé tête de l'élite politique pays, dans le mépris, dans l'arrogance, il y a chamaillé pour comment il va continuer à occuper l'espace pouvoir et contrôler le pouvoir. Et j'en ai dit le matin, je me suis ça, les intérêts du pays n'ont pas au rendez-vous aujourd'hui, et ce n'est pas acceptable là. Donc, finalité bien ça, c'est sonner à l'aide là. Bye à l'aide là pour que nous nous connaissions qu'on ne peut pas continuer à faire ça à ce pays. Le pays a besoin de la paix et de tranquillité pour nous construire tête. Le pays a besoin, je veux dire, des mondes qui ont capacité pour prendre décision parce que nous sommes en guerre. Il y a urgence. Et c'est malheureux qu'on ait des mondes qui, je veux dire, n'ont pas conscience de l'ensemble d'urgence. Ça. Écoutez, on est dans l'hôtel de la Cap-Dil. Entre le 3 mars et le 27 mars, selon le dernier rapport, c'est 53 000 personnes qui ont été passionnées pour le Brest. Mais parallèlement, l'insécurité alimentaire a aggravé. Je veux dire, c'est 50% de la population qui est dans l'insécurité alimentaire. Nous n'avons pas qu'à décider en tant qu'élite pour nous cracher sur le bagage. Il faut que des gens qui aient capacité pour prendre décision au niveau des affaires et pour prendre des décisions qui s'imposent parce que je veux dire, le pays est dans l'urgence. Allô? Voilà. Oui, on a rappelé Mounio, on a recevoir maintenant Bendico Pierre, qui lui-même c'est économiste de formation, mais c'est également secrétaire général du parti Haïti Devant. Hier, M. Pierre, et même avant ça, moi-même avec Guerrier, était entendu nous t'ai dit aujourd'hui, nous en face une crise pluridimensionnelle ou bien multiforme. Il y a plusieurs volets dans la crise là. Mais un volet qui est extrêmement important, qui est le volet politique. Pour qui ça? Parce que nous croyons que ou pas qu'à prétendre résoudre l'autre volet dans la crise là, sans pas gagner un dégel ou bien un dénouement dans la crise politique là. Et je dis à qui sa situation est, c'est que nous pas connaît qui est ce qui a dirigé Haïti depuis le 11 mars 2024. Nous ne savons pas est-ce que c'est Dr. Ariel Henry, de côté lié à étant, soit en exil, à la retraite, ou en prison, pas qu'on est n'importe ça, le Kababia, qui, via Zoom, a dirigé Haïti. Est-ce que c'est le premier ministre à l'intérim, M. Michel-Patrick Boisvert, qui au commande? Est-ce que Jean Mounio Abdil de Yoa, son pays qui tout simplement sous pilotage automatique? Et quel que soit cas de figure là, que c'est Ariel Henry, que c'est Michel-Patrick Boisvert, ou pas senti présence l'État véritablement par rapport à tout ça qu'a fait tout là, et si c'est sous pilotage automatique, les plus grave toujours. Donc il nous faut quand même une alternative pour remédier à tout ça. Donc ou même comme citoyen avisé, comme membre d'un parti politique, de qui sont pensés, qui t'a capable de faire au regard de tout ça qui est comme proposition aujourd'hui à sous table là, pour au moins nous permettre, nous allons souffre, nan aider une équipe qui vient là pour gérer le pays d'intérimaire là, pour résoudre une série de grands chantiers, notamment question insécurité, question grand goût misère, puis question élection, pour nous capable faire pays à retourner sous rail démocratique. 1, 2, 3, 4, qui ça, dans genou au niveau de Haïti devant, nous pensons que tu as dû faire pour remédier la situation, ne serait-ce que à court ou à moyen terme. Problème communication, empêcher converser ou bien réaliser interview ça avec invité nous matin qui c'est Bendico Pierre. On attendant contact yo refait, n'a pas rappelé que Bendico Pierre lycée économiste, lycée membre parti politique Haïti Devant côté la joue rôle secrétaire général. Par contre, tu as des questions avant même communication de des questions parfaitement. Et bien on y va. Monsieur Ferdinand, comment est-ce qu'on attend nous sous lit de n'a pas eu de transition? Qui sa transition veut dire? Transition politique veut dire que le pays a eu une situation, côté que la constitution ne tient plus la route,
Maintenant, il nous faut un ensemble d'hommes et de femmes capables de prendre des décisions, qui vivaient au timon des affaires, qui créaient conditions pour nous tourner vers la normalité constitutionnelle. L'homme des constitutions, autant qu'un pilote monde n'a pu y faire, on va écouter vous parler du conseil présidentiel. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément fondamental, je dis à quel que soit le groupe qu'on prend dans le pays, c'est des groupes politiques certes, qui sont capables de négociation, c'est des gens, je dis, qui ont gouré pour contrôler des peuples en l'État. Il faut se poser la question. Quel type de monde que nous avons besoin, je dis, pour gouverner ce pays pendant la transition? Nous avons besoin des gens qui sont au-dessus du conflit, qui sont arrivés dans l'espace de décision. Qui sont les gens au-dessus du conflit? Toute force politique qui a besoin de pouvoir aujourd'hui, de notre avis, c'est dans l'élection pour y aller. Et nous ne pouvons pas non plus permettre que cet ensemble de forces politiques, ça y est, pour une raison ou bien pour l'autre, qui va décider de comment la machine électorale va monter, de l'agenda de transition, parce que il nous faut des élections dans la transparence. Maintenant, nous au-dessus du conflit, c'est eux qui supposent vivre dans l'espace de décision et font monter un gouvernement de technocrates, c'est-à-dire des gens qui peuvent arriver sur la base de compétences, des cadres de carrière de l'administration publique, qui ont expérience administration déjà, qui ont praxis administration déjà, ces gens qui supposent vivre dans l'espace du pouvoir. Qu'est-ce que ça baille comme avantage? Lorsqu'il y a des technocrates, des cadres de carrière en administration qui vivent. Si nous ça prend fonction à 8h du matin, à 8h30, l'administration recommence à fonctionner. Parce que Mounsa a une expérience d'administration déjà, il a une connaissance dossier déjà. Mais le danger aujourd'hui, pour que le pouvoir politique là, ça va faire l'objet de séparation entre l'ensemble de groupes politiques, c'est que nous risquons, 2-3 ans après l'élection, plonger dans une spirale d'instabilité qui est plus grave que ça n'est là aujourd'hui. Parce que l'on fait politique, maintenant, qui est fondamental, c'est capacité 1 pour prendre décision, mais 2 capacité pour anticiper. Je dis qu'il y a un pays qui a besoin d'entrer dans un cycle de stabilité. Et stabilité avait dit que, faut que nous favorisions les élections assez transparentes, qu'il y ait l'avènement de dirigeants politiques qui n'est pas contesté, des dirigeants politiques légitimes. Parce que lorsqu'il y a des gens qui sont des dirigeants contestés qui viennent dans l'espace du pouvoir, là, ils passent tout un mandat pour défendre tête, ils ne pas qu'à mettre en application un ensemble de décisions qui peuvent favoriser la gouvernance pays. Là. Donc je vous dis là, 1, 2, 3. Je dis, le pays a besoin que des gens au-dessus du conflit vivent dans l'espace de décision. Et le pays a besoin que nous mettions campé un gouvernement de technocrates, des cadres de carrière de l'administration publique, qui a fini, qui a fait décision. Ma flotte considération. Au lendemain de l'indépendance, là que M. Damla m'a dit, j'ai décidé de bailler Dessalines tête pays, ce n'était pas pour les beaux yeux de Dessalines. Ce n'était pas non plus un cadeau que j'ai fait à Dessalines. Pendant des années, j'ai combattu beaucoup de Dessalines. J'ai eu la capacité de leadership de Dessalines. Vision était claire. Je dis à quel que soit groupe politique que tu apprends dans le pays, bilan là. Nous connaissons ça bilan. Et au Hugo Chavez, comme avec le terrain, il dit, pas tant de ça m'a dit, regardez ça m'a fait. Matin, on m'a attendu au Johnny Ferdinand qui a dit que. Il est venu le moment que nous mettons pays au-dessus de tout intérêt clanique. Bon ensemble d'options que l'acteur politique a décidé de participer dans l'eau. On a dit que ça n'a pas augmenté rien de bon. Et on a dit tout côté intérêt pays à eux là. On a rappelé. Je dis à nous avons ensemble du monde sur la puissance de feu des gangs qui comprennent que c'est la caillou. Et nous ça aujourd'hui. Je vais dans des centres improvisés. Je dis à coller là en vaille. Je me rappelle tout. Je dis à, selon le dernier rapport, il y a 5 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire. Je me rappelle. Il y a deux grands défis dans le pays. Il y a un, c'est récupérer l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, le département de l'Artibonite. Maintenant, nous avons la responsabilité pour nous protéger 8 autres régions dans le pays pour que la machine insécurité arrive sur nous. L'heure est grave. Nous sommes aux heures des urgences. Nous avons besoin des décisions et nous pas capter diverser sur qui sont arrangements toujours. Nous pas capter diverser sur qui sont consensus. Option là, décision là. Vous remarquez, Johnny, matin, nous pas venir lamenter. Nous pas venir plaindre, nous pas venir proposer. Donc, pour répondre à la question,
au final, il nous faut un gouvernement de technocrates, des gens qui sont au-dessus du conflit, des gens qui ont une capacité pour prendre décision, parce que le pays, il faut que quelque chose soit fait dans l'immédiat. Vous parlez de gouvernement et technocrate, mais quand même, n'a pas parlé là de possibilité pour gagner un exécutif à deux têtes. Maintenant, il y a un plus gros problème qui gagne, c'est qu'on est qui est capable de gérer la présidence. Là, je pense que c'est là tout le débat et ça fait la proposition. Il y a des gens qui croient que processus qui t'a dû aboutir à conseil présidentiel là, son processus qui pas prometteur dans la mesure où depuis dans genèse li t'a gagné des problèmes pour mon arriver mettre d'accord sur ensemble de principes, konsa gen moun ki croit que même si nous pas dans constitution ou bien même si nous dans ça ne relon vide constitutionnel mais si n'a prend décision fond recommande ka plus proche constitution, même si gen moun ki dit de qui constitution n'a parlé. Est-ce que c'est la constitution de 1987 ou bien la constitution de 1987 amendée? Donc, par rapport à tout ça, oui, là, m'a parlé de la présidence. M'a beaucoup arrivé sous gouvernement, qui est-ce qui a deux premiers ministres, qui est-ce qui a deux constitués et cabinet ministériel là, qui modèle monde, etc. M'a regardé dans la logique exécutif bicéphale là, à deux têtes là. Donc, comment nous capables au moins gagner une présidence au moins qui a évité de tout dilatoire, ça n'y est là? Johnny Mabdoumagay, depuis le 2 mars jusqu'à aujourd'hui, nous situation de négociation politique entre ensemble de groupes politiques. Pour une que nous remarquer, c'est un, l'incapacité pour que nous mettions d'accord, ne serait-ce que sous modalité fonctionnement conseil présidentiel. Deux, l'incapacité pour mettre d'accord sous mécanisme de nomination du Premier ministre. Mais le plus grave en termes d'anticipation, c'est si que je dis à Yopaka entendre sous des éléments basiques, rien que pour le fonctionnement de la structure, qu'en sera-t-il pour la mise en place du conseil électoral là, qui c'est pratiquement une véritable instance en matière de transition. Parce que, en début d'exposé, comme je l'ai dit, l'extrêmement important qu'il n'y a pas de transition que nous mettons d'accord sur un grain de bagaille. Transition, il est dit que créer les conditions pour nous tourner en normalité constitutionnelle. Maintenant, la solution. Vous pensez que je dis, l'on c'est démocrate, c'est la loi qui suppose boussole. Fond ma tête nos responsabilités qu'une capte des options qui rapprochent nous le plus que possible de la constitution du pays. Et fond anticiper tout ce conflit yo, par rapport à la gêne à monter architecture gouvernance politique pays pendant temps de transition. Ça. Il m'a répété, pays n'a pas qu'à attendre encore. Je dis, il nous faut nous rapprocher le plus que possible de la loi et se rapprocher de la loi mène directement vers un juge à la Cour de cassation. Je dis à gagner un groupe ou bien l'autre acteur, nous ne pouvons pas le dire qui est incontournable, mais qui d'une importance capitale tout par rapport avec démonstration de force. Il a fait là depuis pratiquement un mois et cinq jours. Je vous avais expliqué ça là, qui c'est les hommes armés. Est-ce que vous pensez, M. Pierre, nous capables d'envisager une solution à crise politique nous gen là sans pas tenu compte de monsieur Axamio, de monsieur Vivant Samio, de coalition ça n'a permettre qu'on réfléchit toujours sous réponse au préalable nous à question 1 en attendant n'a demandé régie pour prendre disposition pour nous observer pose drapeau parce qu'il fait 8 heures à 1 minute garde à vous tout le monde n'a rappelé n'a recevoir Benzico Pierre lycée économiste lycée secrétaire général parti politique Haïti devant Rue de Boucher n'a tourné. Pour nous marcher,
Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à reste monde réveillé pour matin. 8h05 ou toujours sur Caraïbes FM, ou suivre journal créole première occasion. Espace Grand Boulevard pour commenter actualité à matin. Nous gagnons en ligne Benzico Pierre, lycée économiste, lycée secrétaire général parti politique Haïti et devant avant pause là, nous demander monsieur Pierre non solution n'a cherché pour nous est incapable au moins et joindre dénouement à ça là comme crise gagner on voulait important qui c'est voulait nèg examio lui même comme n'a pas réfléchi comment l'ouais et acteur yo capable aborder question ça dans dans cadre de solution y a chercher yo parce que ou capable dissolver mais si ou garder de leur yo activer là à jodia ça yo faire dans pays a gens yo bloquer pays a gens yo mettre pays a sous pause donc quand même yo vinn positionner yo comme un acteur donc comment ou même ouais moun k'ap réfléchi moun k'ap décider moun ki ta doué et venir avec solution doué aborder question gang armé Johnny un point de ta pratique de ensemble de bagage passé dans pays sur toi dernier adieu ou son père de famille un bon matin téléphone sonné yo dit mi madame avec deux petites filles a calciné sous pont tabac là parce que t'as sauté l'église n'a pas deuxième cas. Ou son élément classe moyenne, ou ensemble d'années qu'on travaille en d'un pays, on fait des sacrifices, j'aime t'a dit dans le début de l'émission, on construit ensemble de bagages dans un pays, et un bon matin levé, on envahit la caille, on perd tout le bagage. Ou son père de famille, tout, parce que, on a parlé d'un père qui est un petit monde à l'université, et qu'un bon matin, où il est lui dit, mais qui s'est privé en nos machines à calciner, c'est au moins 23 ans d'investissement en termes de capital humain. Ou son homme d'affaires, ou bien des investissements majeurs qu'on a fait sur un pays pendant des années, ou bien un bon matin, ou bien faire mes business, parce que le pays, il veut vandaliser. Ma pour dernier exemple. Ou son monde, qui a mené une vie paisible, ou respectueux de la loi, maintenant, il y a un mandat pour composer avec des gens qui décident de mettre tout un pays à genoux. Je dis à moi de croire que nous sommes dans une situation où on doit faire un choix. Il faut faire un choix entre les citoyens paisibles et les hors la loi. Je me rappelle, loi conçue pays, ou bâti pays sous la loi, ou bâti pays sous stabilité, ou bâti pays sous principe et sous rigueur. Il est une nation à évoluer à travers le parcours, bon ensemble de l'événement qui a passé. Il faut nous connaître comment nous corriger, il faut surtout nous assurer que l'on a corrigé que nous n'avons pas fait dans le pays. Donc, entre les citoyens paisibles et les hors la loi, nous-mêmes, nous choisissons les citoyens paisibles qui décident de participer à la construction du pays, bien ça fait dans tout le pays. Alors, on dit que, ou même on fait choix de citoyen paisible, ça veut dire que, ou pas dans la question amnistie, ou pas dans la question négociation avec Gagno, mais comment combattre, puisque ça fait plusieurs années là, la police nationale d'Haïti, c'est vrai, a fait effort, mais nous, ouais, qui ça résultat, y est. Donc, comment combattre, si nous pas qu'à, si nous pas voulons négocier avec yo, comment empêcher ou continuer et théoriser la population? Alors, le Ramda a parlé que le pays a besoin de monde qui a pris décision. Il y a un homme qui a notifié dans le billet Haïti devant qu'une adresse aux élites haïtiennes. Les gens disent de quoi avez-vous peur? On a posé la question, on dit, est-ce que nous avons peur d'une police, d'une institution policière qui affranchit de toute mainmise politique? Et c'est ça, plaidoyer à Emater. Je dis, là, tout groupe politique, tout groupe qui dit que c'est des forces politiques qui réfléchissent dans le pays, là, seul rendez-vous que nous avons, c'est au niveau des élections que nous avons rendez-vous. Faut quitter des gens qui, au-dessus du conflit privé, pour prendre des décisions. Police, là, je dis, a démontré, notamment dans le dernier Sao, que capacité pour mener ensemble l'opération dans le pays, pour reprendre le contrôle du territoire, là,
Lila. Mais parallèlement, faut nous l'être. Récemment, les Nations Unies ont une résolution qui part. La résolution 2699 qui créait une mission multinationale au niveau pour pays par rapport à la situation sécuritaire. Là. Il y a deux aspects par rapport à la sécurité. Il y a du seul. Mon premier aspect qui m'a dit que nous renforçons la police nationale, effectivement. Mais l'autre aspect qui m'a dit qu'à un certain moment, que la police a besoin d'un accompagnement pour que, un, nous favorisons que nous reprenons progressivement contrôle du territoire là, mais deux, que nous favorisons que nous créions conditions pour élections faites, pour que des dirigeants légitimes vivent et à travers le programme politique qu'ils vont implémenter qu'on y a là, ils vont pas le résoudre pour même insécurité. Parce que, attendez, loi pas de l'insécurité, je vous dis, il y a un chiffre que nous avons regardé. Situation d'insécurité, les tributaires à l'ensemble du choix de gouvernance qui fait dans le pays, il n'y a pas d'abord l'autre résultat que ça. Il y a des statistiques qui font quoi, par exemple, que chaque année, il y a près de 350 000 jeunes qui ont privé sur le marché du travail. Mais les choix économiques qu'on fait en matière de gouvernance n'ont pas favorisé que nous créions des jobs pour absorber 350 000 personnes, ils n'ont pas favorisé non plus que nous créions richesse assez pour nous prendre la population en charge. Donc ça ramène nous à dire que ça, ça ramène nous à dire que, un, il n'y a pas d'insécurité, il y a l'aspect ultra court terme de l'insécurité, c'est-à-dire que ça qu'on doit faire dans l'immédiat, mais il y a l'aspect structurel d'insécurité à tout. Il n'y a pas d'aspect structurel d'insécurité, n'a pas eu vraiment de décision qui pourrait planer sur une dimension temporelle donnée, c'est-à-dire que sur le long terme, qui pourrait faire que terreau fertile qu'une gagne qui va permettre que 350 000 jeunes qui privés en moyenne chaque année, ou pas qu'à jouer une plus assumer des tuyaux pour me couper l'hémorragie ça. Donc, premier défi à jeudi, c'est accompagner la police. Et binôme police-population, il faut continuer à mettre en avant, il faut continuer à valoriser. Faut qu'il y ait une force effectivement qui là, je dis, qui vous accompagne la police pour que nous progressivement reprenons le contrôle du territoire là, pour créer les conditions pour accompagner le processus électoral de telle sorte que nous favorisons les dirigeants légitimes maintenant, qui pourraient gagner la responsabilité pour définir un ensemble de politiques publiques dans le pays là, de telle sorte que nous campions l'hémorragie ça. Il n'y a pas qu'à en vêtu en voilà. Combattre, tu vois, guerrier du sol, c'est pas ni dans un an, ni dans deux ans. Je dis à ça, gang, yo te 10 ans de cela, c'est pas ça que vous voyez, je vous dis à. Yo muté, nous pas besoin d'entrer dans les détails. Demander des réponses en matière de politique publique, demander des réponses concertées, demander des réponses tout, qui a adressé l'économie pays à, de telle sorte que nous créions richesse, pour que nous couper, que vous fait-il ça, parce que soit fait profil, majorité monde, je dis à, qui n'a coupé armé, c'est des monde qui agit à partir de 15 ans, jusqu'à 26-30 ans. Je dis, il faut que nous développions des mécanismes dans le pays qui a transformé les ouvriers de la violence en des ouvriers de créateurs de richesse. Ça veut dire ça. C'est conçu le pays à un, bâti loi à caractère économique qui rend le pays compétitif. Deux, favoriser l'émergence du parti politique organisé qui a réfléchi non pas en matière de en termes de consensus, mais qui a réfléchi en termes de programme politique avec des choix de politique publique qui clairs. Et non, troisième niveau, c'est créer richesse. Il m'a campé là pour me dire que dans le moment ça que nous y là, il y a deux bagages fondamentales. Un, c'est bailler la population à manger, parce qu'il y a 5 millions de monde qui est en sécurité alimentaire. Deux, accompagner la police là pour que nous reprenions progressivement contrôle du territoire là. Donc brièvement, guerrier, les n'a pas de question de sécurité, les n'a pas de combattre monsieur avec Zamio, c'est pas un bagage en claquant les doigts. Son gain là, c'est le résultat de 38 années de mauvaise gouvernance. PIA, c'est une machine que tu as une belle dérégler. Nous avons une responsabilité aujourd'hui pour qu'il y ait des gens qui vivent, qui ont remetté une belle PIA en place et pour une stat machine pour pas chiner à démarrer.